J'espère que vous allez bien sur le jeu pour une nouvelle vidéo sur Horizon Grave. Je suis Emile, épisode numéro 77, je crois, 78. Je sais plus trop où on se connaît rendu. Je suis accompagné de mon ami Xylophan. Comment vas-tu, Xylophan? Bonjour, les amis. Je rigole, Exilo. Ça va, mon pote? Bien, bien, et toi? Ça fait un bon moment qu'on t'a pas vu sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu deviens? Je deviens une grosse merde, c'est bon, ok. Bon, allez, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une base tour. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit base tour aujourd'hui. Parce qu'on sait jamais quand on va se faire piller, dans le fond, sur un serveur. Mais ça va pas juste être un base tour, parce qu'après le base tour, je vais sûrement vous trouver d'autres séquences. Donc, sûrement du PvP ou des trucs comme ça. On essaiera peut-être d'aller PvP avec Xylos. Mais pour l'instant, il est en train de se réchauffer sur Kui. Mais aussitôt qu'il a terminé ses combats, on va essayer d'aller, comme j'ai dit, d'aller fight au spawn. Je crois qu'il y a les gars de la Cracuse. Il y a d'autres gens aussi qui PvP. Il y a pas mal de gens à cette heure-ci. Il est rendu, on est... ouais, il y a 57 personnes. Il est quand même juste... il est juste 20h. Il est quelle heure? 22h, je sais pas, il est quelle heure. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, les semis de l'heure. Donc, je vais faire un boss tour. Donc, je commence ici. Où est-ce que mon home il est maintenant? Donc le home farm, avant il était devant les golems juste là parce qu'il y avait les coffres là. Maintenant il est juste là, je crois, je suis pas sûr à 100%. Ouais, juste là. Et puis en gros on a les coffres ici, la salle des coffres. Bon, c'est juste des coffres de merde parce que comme vous savez, on va faire une base en psy. On a déjà transféré le psy à la base où est-ce qu'on veut la faire, etc. Inquiétez-vous pas pour ça. Ici on a des coffres à verrues. Donc je vais juste remplir le coffre qui est là. Comme ça. Les deux côtés on a des verrues. Bon, c'est pas super important. Mais on va sûrement agrandir le champ qui est là jusqu'au bout là-bas. On va faire ça sûrement dans la prochaine vidéo. Ou juste à la fin peut-être. Donc ouais, après on va le faire. Faudrait aussi réarranger les hoopers pour que ça soit bien séparé. Pour pas qu'il y ait juste ce coffre là qui soit plein. Faudrait réarranger ça. Je vais faire sûrement ça aussi après. Pas nécessairement en vidéo, mais après la vidéo, le champ même chose. Ici on a les machines à potions. Donc on a les machines à potions automatiques qui sont éteintes vu qu'on en a plus besoin. Les grandes potions, les alambics et les perles que je cherchais tout à l'heure. Putain de merde. Donc voilà. Ensuite, on a... je suis fatigué! On a les stockages de potions, donc par terre ici on a fer, résistance, force et heal, donc c'est full plein ici. Speed jusque là, donc comme j'ai dit, on les a éteints les machines puisqu'on en a pas besoin nécessairement en ce moment. Les heals, on va peut-être les réactiver bientôt. Ensuite on a un shotgun à sucre assez grand jusqu'à là-bas, donc juste pour se faire un peu d'argent, donc comme ça. Pendant que quelqu'un récolte la canne à sucre, quelqu'un peut récolter les verrues, quelqu'un peut aussi farmer les pics zombies et farmer les blazes, parce qu'ici on a les blazes bien entendu les amis, avec le coffre de blaze. Bon, je viens juste d'installer le coffre, hein, il était pas là avant. En gros les blazes, ils spawnent pas tellement, faudra peut-être mettre un système d'anti-AFK, genre un escalier ici qui monte pour aller AFK en haut. Parce qu'ils spawnent pas vraiment souvent, comme vous voyez, ils spawnent pas beaucoup, comparativement plus que zombies ou quoi que ce soit. Donc les champs de canne à sucre qui continuent ici, on a ensuite des coffres ici, efficacité 1, sharpness, bon voilà, comme vous avez compris, les livres d'enchant pour avec la table d'enchant et un clone qui sont de chaque côté. Ensuite c'est tout ici. Spawn dans la golem, j'ai déjà montré. Ensuite, dans le fond ici, on a les systèmes de four que Xylophan a fait. Donc c'est des fours automatiques qui vont cuire les trucs et voilà. Et puis quand il n'y aura plus de charbon, ça va s'arrêter. Donc voilà. Au calme. Je sais pas pourquoi j'ai rouvert un million de fois. C'est que en fait j'étais surpris parce que regardez, c'est de la couleur, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est bizarre. Et on a les pics zombies ici. Donc on a besoin de l'or pour faire les melons scintillants. Donc super important aussi pour faire des pommes cheats. Donc super super intéressant. Sachant qu'il y a un cooldown de 40 secondes sur les pommes cheats et 10 sur les underpearls. Des idées que j'avais apportées au serveur il y a de ceux-là très 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 longtemps. Qui ont gardé pour leur nouvelle version. Ce que j'apprécie énormément les amis. C'est cool, c'est cool. Donc voilà. C'est ce que je vais faire les amis. Je vais agrandir le champ. Je vais réparer le hooper. Et je vous reprends dès que c'est fait. Dès que c'est réparé. Et puis on va aller sûrement PvP avec Xylo et puis Xylos et puis on va... Je vais aussi faire un anti-FK. C'est un peu embêtant ça par exemple. Ouais. Je vais peut-être mettre le truc là. Ouais, je vais mettre le coffre là. Parce que c'est un peu embêtant ça. Ouais, c'est un peu beaucoup embêtant en fait. Voilà. Je vais juste faire ça. Voilà. Et on va faire... On va mettre le coffre genre ici. Comme ça, ce sera pas embêtant. Voilà. Puis j'espère bientôt trouver un nouveau pillage. Les amis, si bien entendu vous avez des pillages, dites-le moi. Et puis quand vous me voyez en jeu, je veux bien me téléporter, qu'on puisse bien toutes ces mesures ensemble. Bien puis ensemble, bien entendu, on fait 50-50 sur les pillages. Au cas où je suis, vous pouvez même garder tout le stuff. Moi, ça me dérange pas tant que j'ai une vidéo stylée, appréhendée. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc voilà les amis. On se retrouve à tout de suite pour un petit PVP. Wesh les copains, on se reprend en 2 secondes, je vais juste fusionner tous mes trucs en P2, P3, P4, etc. Comme ça on aura des livres P4 pour faire un armure ensuite.
Donc, on a... Oh shit, j'ai cassé l'enclume, ça a mis de l'eau partout. Sans faire exprès. Oh non. Il faudra remettre une enclume, les copains. Donc, j'ai un livre P3, je pourrais me refaire un livre P3 ici. Et puis, je vais pouvoir vous donner un livre P2. Donc, Xylophone, prends un livre P2. Tiens. Xylophone, prends le livre P2 derrière toi, mon copain. Ah, Xylophone, il fait de la merde, comme d'habitude. Donc, on a modifié ça, on a mis ici un petit anti-FK, qui a FK pour les Blaze, mais aussi pour l'Iron Golem. En fait, c'est bien parce que l'Iron Golem produisait pas beaucoup, maintenant il produit extrêmement beaucoup. Même chose pour les Blaze, maintenant ça stack énormément, comme vous pouvez voir en bas. Avant, on avait 2-3 Blaze, maintenant on en a énormément. T'as récupéré les P2, bro? Super. T'as replacé aussi les... ok, super. Ok, bon, ben, super, hein. Super, super, super. On a aussi... j'ai aussi fait... Ben, pas moi qui ai fait ça. Moi, j'ai agrandi le champ de virus, comme vous pouvez voir à partir d'ici. Vous voyez que c'est pas poussé. C'est parce qu'on a agrandi. Et Fasky a fait un anti-FK pour les pigs zombies. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Je l'ai même pas vu encore. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait un truc en vitre ici, normal au cam, quoi. Donc, on a un anti-FK ici. Et ça va quand même assez rapidement. Donc c'est quand même assez stylé, on va faire ça, voilà, et on peut sauter, boum, assez rapidement. Les spawners à Pig Zombie, on les savait très très haut, donc c'est pour ça qu'il faut monter une grosse échelle. Mais c'est pas grave, ça fait quand même le travail, quoi. Donc, oh, merci, des livres. Bon, je vais les mettre dans un des petits coffres ici. On va continuer à enchanter, il faut juste faire une enclume. On n'a pas beaucoup de fer, hein. J'en ai fait une, normalement. J'en ai posé une, là-bas. Okay, okay. Au pire, sais-tu quoi, regarde. Viens ici. On va faire ce mur-là rempli d'enclume. Où est-ce qu'on aura du fer? Je pensais, faut attendre. Faut attendre qu'on ait plus de fer parce que là, facile, il vient de tout vendre. Mais en gros, ouais, tu remplis le mur ici, full enclume. Comme ça, quand celle du haut, tu vois, elle va descendre, 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 descendre. Puis ici, on pourra... hop là. Hop là. Le mur derrière. Derrière quoi? Ici. Ah. Ouais. Voilà. Donc comme ça, ça va faire... Wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça va faire quelque chose de stylé. Il faudra juste faire une poubelle à quelque part. Genre peut-être ici. Ouais, ici, il faudra faire une poubelle. Je vais mettre un bloc de cobblestone. Voilà. J'avais dit que je ferais un petit pipi. On va faire ça tout de suite après, les amis. Ce sera pas très long. Ce sera pas très long, on va faire ça. Poubelle. Donc, super. On va juste à mettre quelques enclumes. Et la base, ça en vient vraiment stylé. Bon, la farm, parce que moi j'appelle plutôt ça une farm, parce que c'est juste une petite farm rapidos presto. On va sûrement... qu'est-ce qu'on risque de faire? On risque de faire une base full obsidienne, comme j'ai dit. Ben, on est en train de la préparer. Ça s'en vient bientôt. On est en train d'acheter de l'obsidienne. Donc, si vous avez de l'obsidienne et que vous regardez la série, que vous voulez nous la vendre pour de l'argent, on a vraiment beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup. On en a... Moi, j'ai 32 000. Vous avez combien, les gars, d'argent? Dites-le moi vite fait. Vers 2000. 700. Donc on a quand même un peu d'argent, on a environ 35 000 toutes réunies. Donc on peut essayer de quand même d'avoir de l'obsidienne pour faire notre base full obsi. Et quand on va être rendu pour faire notre truc full obsi, je vais vraiment vous expliquer. On va faire à l'ancienne avec les tables d'enchant et tout. Donc ça risque vraiment d'être intéressant. Je vais essayer aussi de demander, qu'ils puissent rajouter, c'était quoi, les cactus et l'obsidienne en vente au shop. Ça pourrait vraiment être stylé de rajouter ça comme à la V2. Ben, la dernière version avec le spawn en sable, il avait fait ça. Il avait mis l'obsidienne, les tables d'enchant et tout ça en vente. Et c'était quand même assez stylé. Je vais essayer de voir s'ils peuvent pas essayer de les remettre parce que ben ça sera encore plus cool. L'argent servirait encore plus. Donc voilà, comme vous voyez, 30 blazes, les blazes, ça va... Oh, ça spawn tellement rapidement, ça fait bander. Tellement ça spawn rapidement. Donc c'est stylé. Et puis voilà les amis, j'espère que le serveur vous plaît, j'espère que ça vous fait plaisir. On va bientôt faire des recrutements avec le reste des gars. On va sûrement faire un genre de Google Doc et que vous allez devoir remplir et que nous on va regarder tous ensemble. Et puis on va choisir les gens qu'on veut avec bien entendu des qualités, des trucs comme ça. Bon bref, vous avez compris le principe quoi, vous n'êtes pas attardé mental. Donc on a aussi, comme j'ai peut-être pas montré, mais on a des vitres à l'infini ici. Ben infini, c'est pas nécessairement infini, il y en a peut-être 300-400, mais bon, vous avez compris le principe. Ici on va pouvoir faire cuire des trucs. Et puis là voilà, ici on a un petit problème avec les pigs, ils nous tapent, mais c'est pas un grand problème encore. Et puis l'or qui nous sert pour faire des melons scintillants. Faut juste faire un champ de melons, c'est tout ce qui nous manque les gars.
Un champ de melon. On va le faire de ce côté-ci, je pense. Ouais, on va le faire de... Toi, t'as un champ de carottes aussi. Ouais, on va faire ça ici, tu sais, où ce qu'il y a les fours, on va faire ça ici, on va déplacer les fours, on va mettre les fours, genre coller au mur ici, dans le mur ici. Ok. Genre, on va avoir un four ici, un four là, et un autre four ici. Ok, les copains? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me va. Ok, Xylophone, viens changer ça ici, s'il te plaît. Vu que Xylophone, il a fait les fours, c'est lui qui va refaire les fours. Vu que c'est le beau gosse. Et puis voilà, donc en gros, c'est pas mal ça, je vais essayer de vous retrouver une séquence PVP, on va essayer d'aller PVP. Fasse qu'il des bons PVP ou pas? À ton avis. Ok, peut-être pas. Donc on va faire, on va se farmer un P4 et puis on va farmer du P4, puis on va aller PVP, à moins que je vous donne un de mes P3. Bref, on va aller PVP les amis, ça sera pas très long, donc on se retrouve pour la séquence PVP tout de suite. Allez, what's up les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la fin de l'épisode numéro... En fait, j'ai fait l'épisode, mais j'ai oublié de faire un intro. En fait, on n'a pas trouvé rien. On n'a pas trouvé de combat. Il n'y a personne qui voulait PVP contre nous, etc. Donc, on a décidé finalement d'abandonner avec les autres gars. On n'a finalement pas été PVP. On a... Donc, le dernier épisode, cet épisode-ci aurait juste été un base tour. Le prochain épisode, on va faire un double spawner ici, où ce que vous voyez que je suis. On va faire un double spawner à Iron Golem. Qu'on va faire tirer à un abonné, sûrement, après qu'on l'a utilisé, qu'on en ait plus besoin. Parce que, comme vous savez, on va déménager dans une grosse base. Là, c'est juste pour pouvoir faire plus d'argent. Donc, on aura une mini base ici, si on peut dire ça ici. On aura juste une farm à golem. Donc, ces spawners ont été donnés par un abonné. J'ai pas record sur le moment. J'ai oublié ton pseudo. Je suis vraiment désolé, mais il était super sympathique. C'était durant mon stream. Donc, un gros merci à toi, mon pote. Ça fait extrêmement plaisir. Tu vas te reconnaître quand même. Hein. Et puis, ah shit. Ouais, il m'attaque pas, c'est vrai. On va juste tuer ça, j'ai changé pour un piggy comme ça, ben je suis sûr que il spawn pas, on se fait pas taper, etc. So, on va faire ça dans le prochain épisode, je vais commencer un peu maintenant, puis je veux pas directement vous reprendre quoi, en gros. Dans le prochain épisode, ça va pas être direct après, je vais avancer quand même un peu. Et si je me trompe pas, il y en a un autre là, donc on pourrait faire un trip spawner. Oh, ça serait peut-être compliqué par exemple pour le troisième. On pourra quand même en faire un autre là. Mais pas toutes reliées. Ces deux-là vont être ensemble. Puis en bas, on fera une place pour acquérir l'affaire. Et puis celle-là, on fera un après avec celle-là. Puis s'il y en a un autre là, ce serait tellement génial. Non, il n'y en a pas là. On va juste bloquer ça. Fait que gros merci à toi. On peut trois spawners un à côté de l'autre. Ça va vraiment une belle forme à golem que vous allez pouvoir gagner. J'ai pas décidé comment je vais faire à gagner. Sûrement dans les commentaires, comme d'habitude. On va choisir un commentaire au hasard. Et puis voilà quoi. Mais ouais, c'est quand même assez cool. Y a-t-il quelqu'un là? The fuck, il bouge. Y'a quelqu'un là? Fuck, c'est quoi ça? Ah, si, c'est des araignées. Hey, ça me stresse tellement les pseudos de merde là, les pseudos des mobs et tout. C'est tellement, on a tout le temps l'impression que quelqu'un, genre, c'est fucking épeurant. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner avec vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Si vous avez envie de voir les épisodes précédents, vous pouvez voir la playlist. Vous allez sur mes playlists et vous pouvez voir la série Horizon Craft. Vous allez pouvoir voir les 70 ou 60, je sais plus combien épisodes. On est rendu à beaucoup d'épisodes maintenant. On approche la barre des 80. Le 80e va être demain. Ben, demain. Pour moi, je vais le tourner demain. Là. Je vais juste avancer un peu, puis après ça, je m'en vais faire quelque chose. Je vais le tourner demain, le 80e, sûrement. Donc voilà, ça fait super plaisir les amis, on avance super rapidement sur le serveur. On va bientôt aménager dans une base full-up, on va créer la base full-up ensemble. Ça va être vraiment intéressant, donc on se retrouve très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. C'est la gueule depuis je vous donne l'internet. Salut.